les samedis soirs, 6h, en live sur le réseau audiovisuel Happy TV sur YouTube, l'émission Roupi Culturel TV Show pour information et promotion, nouvelles culturelles, reportages, interviews, promotion des soirées artistiques et dansantes, publicité business ou engrangeant, c'est dans Roupi Culturel TV Show chaque samedi, 6h du soir sur YouTube. Roupi Culturel TV Show, la référence en information et promotion. Amis téléspectateurs, nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, de rendez-vous avec le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora pour cette fin de semaine. Au sommaire de l'émission du jour, nous avons plusieurs informations à développer, nous avons plusieurs rencontres qui ont été faites avec des grands noms de la culture haïtienne. Et à l'émission du jour, nous pourrons faire ça, amis téléspectateurs. Dans un premier temps, nous parlerons de l'importance de la date du samedi 17 juin 2017, puisque il y a trois grands rendez-vous culturels pour cette fin de semaine. Youn nan yo, c'est dans Georgia, gon l'autre dans Pompano Beach, Florida, et puis gon l'autre dans l'État New Jersey. Nous en parlerons à l'émission du jour. Ensuite, amis téléspectateurs, nous t'ai rencontré avec Freddy de Freddy Top Vice and Friends, qui a cœur ouvert te parler nous de circonstances qui menel mette campé cet orchestre haïtien, et li pral parler également de comment l'a géré Freddy Top Vice and Friends, et nous pral profiter opportunité dans émission Jeunesse Jodian pour nous faire vivre un extrait de récente performance de Freddy Top Vice and Friends dans Sud Floride là. Ensuite, à l'émission du jour, amis téléspectateurs, nous avons rencontré avec l'humoriste Gessler Mésidor, grand comédien dans le sud de la Floride, qui était présent dans une soirée organisée par Radio Compas de Aubry Blague et à cœur ouvert. Gessler Mésidor, tu as parlé nous de quelques activités que le gain va venir très bientôt. Et puis, amis téléspectateurs, à l'émission du jour également, nous parlerons de la 23e édition de Livre en folie, cap déroulé week-end ça dans le pays d'Haïti, l'un des plus grands rendez-vous littéraires d'Haïti, pour ne pas dire de la Caraïbe. N'a pas un reportage concernant l'ouverture de Livres en folie en Haïti. Amis téléspectateurs, c'est en gros ça n'a pas été pour dans l'émission Jeunesse Jodian. Nous comptons pour avec nous, n'a pas une pause. N'a pas tourné. L'ex-community ballroom et restaurant l'ouvre porte-ligne en 4322 North State Road 7, l'ode de l'ex Florida, pour le desservir tout le monde à la ronde badet, cap chercher un bon restaurant pour bien manger. Yon salle de réception pour les grandes occasions, yon espace de rencontres socio-culturelles, yon salle de conférences pour les séminaires. Relais 954 677 5117 pour information et réservation. L'ex-community ballroom et restaurant paraît pour recevoir mariage, baptême, communion, baby shower, anniversaire, réunion familiale, banquet évangélique, réunion de travail, soirée dansante, événements culturels ou autres activités privées ou publiques. Relais 954 677 5117. Salle spacieuse, espace confortable, section VIP pour les invités de marque, prix abordable. L'ex Community Ballroom et Restaurant à votre service. Au 4322 North State Road 7, l'ode de l'ex Florida. Téléphone 954 677 5117. 954 677 5117. L'ex Community Ballroom et Restaurant, l'espace des célébrations de classe. Johnny C Productions is inviting each and every one of you on Saturday, July 8, 2017 at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia, to dance the night away at the sounds of the beat of Jay Bitsa. Music, ça, c'est pour X-Men. What a wonderful night for Atlanta, Georgia, Saturday, July 8, 2017, Jay Beats, The Beats, performing all hits just for you. Also performing live, Bougie Mix. Special happy birthday to Bougie Mix, Fred Sound and Marie Cassandre. Keep it tight. At the intermission, DJ Easy will mix it to your taste. Saturday, July 8, 2017. The beats start at 10 p.m. at the Hall, 376 Maxim Road, Hostel, Georgia. $30 in advance, more at the door. Reserve your tickets and tables today by calling 404-901-1511, 404-901-1511. Most credit cards accepted. Saturday, July 8, all at the Hall.
Amis et les spectateurs, nous comptons qu'on était là ensemble avec nous pour capable suivre le développement de l'actualité culturelle à Roupi Culturel TV Show pour cette fin de semaine. Comme annoncé en début d'émission, dans un premier temps, nous pourrons parler de l'importance de la date du 17 juin 2017 puisqu'il y a trois rendez-vous culturels d'importance pour cette fin de semaine. Nous parlons dans la première, qui a déroulé du côté de Pompano Beach, Florida, côté que gagnons formation musicale qui est censée tout neuf dans la musique haïtienne, non? Qui pral performer. Il s'agit de Royaume Compas. Nous t'ai rencontré avec deux responsables de Royaume Compas, deux lead singers Royaume Compas. Ils ont partagé avec nous ça qui pral fête samedi 17 juin dans Mary and Mary Restaurant, Pompano Beach, Florida. On t'y va ensemble. Bon, Pierre Dali même, il commence depuis 2013. Donc, nous travaillons très bien, donc nous travaillons. Et actuellement, là, nous avons été pour sortir, pas trop loin, pas trop longtemps ça, mais quand même, on connaît, le travail n'est pas facile. Donc, les capitaux sont optimisés et puis vous sortez à un plus bonne nouvelle. Vous comprenez? Yes. Mais ensuite, nous avons un programme là, et, disons, l'autre samedi, si je veux, 17 mois, ça, c'est là un restaurant qui est le Mary and Mary, et l'Antis Atlantique Boulevard. Alors, donc, je n'ai pas d'adresse complète. Mais pour informer la façon, n'importe qui qui t'a appelé, il y a un capitaine qui fait 954-709-96-20, et puis il y a une information pour y arriver côté programme qui a fait là. Okay. Donc, c'est comme ça, bagaille. Pas de problème. Donc, maintenant, Royaume Compas, donc, est-ce que bon, nous faisons interprétation, est-ce que nous avons une musique pour nous, et au monde qui a dansé Royaume Compas, après ça, pour l'attendre, et nos soirées avec Royaume Compas. Oui, nous avons une musique pour nous, disons, nous avons deux musiques. C'est musique jazz, hein? Et puis après ça, tout le c'est interprétation. On a dégagé, vraiment. Donc, maintenant, en matière de performance, combien, nous combien qui dans jazz là? Et puis, il y a une question qui est pour tout. Et non, Royaume Compas, c'est comment nous arriver et décider sur les. Ok. Et bon, disons, nous neuf dans le groupe là. Donc, on est les gens de Bayo à faire comme ça. Des fois, c'est pas tout. Moun qui gère responsabilité yo en dans groupe là. Vous comprenez? Mais souvent, dans la sortie, c'est nous neuf. Vous comprenez? Et puis, ensuite, pour répondre à la question, côté nous venons, nous avons un combat, donc c'est autant moins intégrité. Et puis, nous avons fait quelques petits sorties, mais nous n'avons pas vraiment bon nom. Et puis, les gens ne pas penser comme ça. Et puis, nous n'avons pas été avec nous, un combat, mais définissez-vous. Et vous connaissez chaque constitution. Bon royaume. Vous comprenez? Donc, moi-même, j'ai choisi de me faire la partie de la royaume compas. Et puis, c'est pour ça que je me présente non et puis, je me accepté. Ok. Et maintenant, parlez-nous de performance nous, dans le temps. Qui côté nous performer plus souvent? Dans quelle zone nous évoluons davantage? Et nous réalisons, bon, c'est Florida, nous y est. Mais et, qui côté dans Florida que nous avons dit que jazz a plus rassemblé, que nous plus évolué en général? Bon, normalement, nous-mêmes, nous évoluons dans Pompano. Pompano Beach, par contre, ce qu'on vu ça très bien, c'est Pompano Beach, là, nous évoluons. Et puis, ensuite, nous faisons plusieurs programmes dans même Pompano. Hein. Donc, et nous sortons à West Palm Beach, Miami, dans zone, quelques autres villes qui partent tout loin de nous, Margate Boulevard, Fort Lauderdale, nous faisons tout ça. Mais nous, pas comme si voyager à l'autre côté. Comprends? Parfait. Ok, donc bon, on va aller net. Marwan, tu avais partagé avec l'audience le numéro de téléphone pour Jazza. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec nous. Et dans quel numéro vous pouvez contacter nous pour Jazza et puis pour samedi soir, quand vous là. Oui, toutefois, depuis que vous avez eu n'importe qui a allé contacter nous, la plus grande c'est 954-709-96-20. 954-709-96-20. Vous pouvez contacter nous et puis n'importe qui a appelé et puis vous pouvez nous pour n'importe quoi. Parce que nous pouvons n'importe bagaille. Parfait. Merci en pile et puis n'a pas samedi soir. Bon, samedi téléspectateurs, nous gars avec nous dans l'émission Journée Jodia, deuxième chanteur orchestre Royaume Compas qui c'est Fashion qui pourrait parler nous de bon présence dans jazz là et puis performance qu'a fait samedi 17 là. Donc Fashion et bon parler nous de présence où comme deuxième chanteur jazz, comment évolution y a dans jazz depuis combien de temps tout? Bon, avant de commencer, nous avons dit chapeau pour Roupi, qui c'est le premier monde. Et notre deuxième coup de chapeau, nous avons dit toute population, auditeurs, auditrices, tout le monde qui est branché.
Et moi-même, Fashion, c'est chanteur et du groupe Royaume Compa, deuxième chanteur du groupe Royaume Compa. Et Royaume Compa m'a intégré dans la musique, mais depuis pas avant, et moi, j'étais content dans la cinématographie haïtienne, et puis New York City, et puis je suis localisé en Floride, et puis m'a intégré dans la musique. Là. Et quand il y a Royaume Compa là, quand il y a là, c'est le premier jazz qui m'a intégré là-dedans, c'est le premier jazz qui me fait apparence là-dedans. King Love, c'est le premier nec qui mette me camper sous stage, qui mette me camper devant jazz et son paquet de respect pour les tout. Et vraiment apprécié ça. Et Roupi. Donc, en deuxième chanteur, donc en deuxième chanteur, toujours considéré comme un monde bon, qui fait que yon bon et puis qui gagne musique tout que le chanter. Est-ce que dans le cas pour là, vous faites tous les deux ou bien vous faites plus passer l'autre? Ok, dans le cas ça comme deuxième chanteur, je fais tout le monde, je fais que, et puis tout, je chante tout. Actuellement, là, nous, dans le studio, nous travaillons sur l'album. Nous avons une musique qui est préparée déjà, nous avons une musique côté que nous remanions, une musique qui est seconde, nous avons une musique tabou qu'on va déchirer côté que nous remix, nous remanions, nous refaisons, vous comprenez? Ce qui veut dire là, nous chitons ensemble, nous remanions la musique, nous avons un album qui nous travaille sur lui là. Actuellement, là, bien sûr, là, nous avons une musique qui est faite déjà, qui nous juste beaucoup lagué. Bon, je réalise, mais Napton, l'album est sorti. Pendant combien de temps vous estimez que nous sommes capables d'un album dehors? Bon, pour bien jour, je vais jouer un bagage qu'on a là, et puis tout, demain, si je vais passer à la pied, mais quand même, moi, on est avec le premier chanteur, Yannick Maestro, King Love, vous comprenez? Et c'est sur quatrième musique que nous, on connaît que le plus souvent, on a un supposé qu'à least minimum, il faut avoir 8 à 9 musiques sur un album, quand même. Vous comprenez? Donc, nous, sur quatrième musique, là, là, sur un album, là, là, ce qui veut dire, là, on comprend aussi que tout n'est qu'un bagage, le petit bagage personnel, quand j'ai tout au niveau du familial, sur les bagages, vous comprenez? Ce qui veut dire, là, on nous à peu près 5 à 4, 4 à 5 musiques pour nous, on va finaliser l'album. Parfait. Parce que l'album, là, finit fort, l'album, là, à 4 vous comprenez? Ce qui veut dire là, ma parle pas longtemps, et puis la date l'arrivée, et puis tout, mon yapton, et puis tout, pareil. Là, vous pouvez présenter tout comme on dit, c'est bien, la business là. Bon, vous comprenez ça très bien. Maintenant, et samedi, 17 avril, je réalise que n'a pas frappé dans Mary and Mary Restaurant, dans Pompano Beach. Bon, parlez-nous de soirée ça, comment présenter, comment on a fait ça, à qui ça lui attendait comme performance de Royaume Compa. Bon. Et comme toujours, il y a plus de monde qui sont sortis dans le pavano de film. Il y a qui sont sortis de la là qui vient garder côté que Royaume Compa joue déjà. Et tout le monde dans le pavano déjà connaît qui c'est Royaume Compa. Et son jazz, depuis que jazz l'en joué, tout le monde toujours déplacé pour supporter jazz là. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas de positivité dans le jazz là. Et même là, c'est un conseil de si bébé, c'est râler, n'a pas râler. Mais si pas de positivité, chaque jazz l'en joué, par contre, le groupe de monde s'en tape sorti. Et chaque groupe de monde s'en sorti, toujours venir avec une série de nouveaux faits pour venir voir ça. Dernière fois, nous jouons ensemble avec JB, ok, dans Tropicante Night Club, qui est sous Dixie en 42nd Street. C'était un spectacle, je sois ça. Imaginez, le beaucoup même minuit, il est dit, le programme est entré, le programme est arrivé à 30, 35 $, n'importe. Wow. Vous comprenez? Oui. Mais ce qui veut dire là, imaginez, pour mettre tout ensemble avec J-Beat, dans une soirée comme ça, avec de là, c'est parce que vous connaissez qu'au cas, quand il est venu J-Beat. Vous comprenez? C'est ça. Et l'homme, il a des styles musiques que J-Beat joue, c'est qu'on parle l'autre, et nous-mêmes, nous jouons bon compas direct. Donc ça veut dire que au monde qui vient danser, oui, ça veut dire que au monde qui vient danser samedi soir et 17 à là, donc c'est bon compas qui a tombé. Oui, c'est bon compas qui a tombé et puis tout le monde n'est pas satisfait et puis tout en même temps tout après manger, après éclairer, mon a danser, a manger, a éclairer tout dans la même. Vous comprenez? Et puis il y a bien plus l'autre à s'inviter, il y a bien sexy Rodney qui c'est ex qui bosse dans compas. Vous comprenez qu'il est dans masque compas cap là avec nous tout pour soirée. Hein? Et puis nous avons notre artiste invité qui c'est Max P, et puis nous avons MC Bob, nous avons notre artiste rap, et puis c'est Kelly. Vous comprenez qu'il y a un programme pour soirée. Ce soir, vous avez dit pour soirée, ça, vous avez un peu et puis nous avons notre guest artiste qui a là, tout cap performé, peut-être pas. Parfait. Donc, est-ce que vous avez des informations avec vous là, adresse, téléphone, pour les gens qui veulent aller à rendez-vous samedi 17 à Mary and Mary Restaurant? Adresse c'est 625 East Atlantic Boulevard, Pompano Beach, Florida, 33060. 625 East Atlantic Boulevard, Pompano Beach, Florida,
33060. Téléphone c'est 954-549-3888. 954-549-3888 ou bien 954-709-9720. Autre rendez-vous pour ce samedi 17 juin 2017, c'est dans Georgia, amis téléspectateurs, que gagne Johnny C. Production, qui a invité nous toutes et nous chaque dans Georgia et les environs, vient participer dans une superbe soirée qui a déroulé samedi soir avec l'excellent comédien haïtien Kako, venu directement d'Haïti pour le faire tout le monde rire dans Georgia. Prenez note. Occasion fête des pères dans Georgia. Johnny C. Productions invite tout le monde à la ronde badet dans une soirée qui est content. Grien dans samedi 17 juin 2017 là dans Global Mall qui dans 5675 Jimmy Carter Boulevard dans Northwest Georgia. À l'affiche le grand comédien Kako venu directement d'Haïti. Comédien Kako pral déposer blagues, exposer personnages politiques et transposer les réalités de la vie des Haïtiens en comédie. À profinerie, vente des boutonnets à Kako, suis pied à tout déraper à Pibon DJ à DJ Final. Cadeau souvenir pour tout le monde dans spécial Father's Day Bingo Night qui a déroulé samedi 17 juin 2017 là dans Global Mall qui dans 5675 Jimmy Carter Boulevard North Cross Georgia. Ouverture des portes 8h du soir, showtime 9h. Admission générale $25, crédit card, débit card, cash accepté. Relais 404-901-1511 pour réserver ticket port et réserver ta part à l'avance. 404-901-1511. Bonne fête à tous les papas de Johnny ici Productions. Et puis, amis téléspectateurs, autre affiche pour le samedi 17 juin 2017, c'est en plein cœur de New Jersey, dans East Orange, New Jersey, que gagne l'organisation Nous Chrétiens qui a organisé un live gospel concert qui est assez rare dans le monde évangélique. Nous invitons à prendre note pour capable participer, particulièrement vous autres qui regardez nous dans New Jersey. L'organisation Nous Chrétiens vous invite à un grand concert évangélique live band fundraising à l'occasion de la fête des Pères, samedi 17 juin 2017, dès 6h du soir à Salem Auditorium de East Orange, 10 South Houghton Parkway. Au programme, l'excellente formation évangélique Miracle Band, l'artiste à la voix splendide Jean Saint-Fleur, l'étoile de la chanson spirituelle Malbranche Nixon et le chanteur gospel de grand calibre Jackson Damonville, également à l'affiche d'autres artistes évangéliques de talent. Mesdames, c'est nous-mêmes qui vous menons, messieurs, à le fêter papa. Samedi 17 juin 2017, 6h du soir, dans Salem Auditorium de East Orange, 10 South Houghton Parkway. Admission $25 à l'avance. Soirée live Gospel Band Fundraising pour l'organisation Nous Chrétiens. Pour tickets et informations, 973-996-52-48. Ce grand concert pour la fête des Pères, samedi 17 juin à Salem Auditorium de East Orange, est placé sous le haut patronage de Danushka Maison des Cadeaux au 793 Stavisen Avenue, Irvington. Happy Father's Day! L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs. Comme annoncé en début d'émission, nous t'ai rencontré avec Freddy de Freddy Top Vice and Friends qui n'a pas hésité à parler avec nous de sa nouvelle formation musicale qui a couru sous 2 ans d'existence. Freddy t'a confié nous que l'été voulait retourner avec le Top Vice, mais malheureusement, Robert Charlot pas disponible, Robert Martino pas disponible, donc il a décidé d'aller de l'avant avec Freddy Top Vice and Friends. On nous suit cette interview avec Freddy de Freddy Top Vice and Friends. Bon, et oublie pas de que en pile fois dehors et moun yo toujours a dit Freddy, m'ta mon petit bagage, m'ta remet Top Vice sonné bah ça yo comprendre. M'ta remet Top Vice encore bon m'dit bon et nous t'ai essayé faire ti démarche pour Top Vice retourner mais ce bonan. Ça pas marché, au moins chaque monde fait route pa yo. Robert Martino en Haïti, Charlot gen l'autre bail la fait et puis bon moi même dit bon, faut me faire un mouvement. Rene me déconne porter service moi à Chechele. De kon bay frère des gens, au moins nous c'est ti bay, me kon fait tout pour compte moi. Pour me décider et mon cousin moi et monsieur dit moi Freddy bon, m'da remet on fait un bagaille, bon me vle pour faire un bagaille. Et vraiment vrai, moi écouter 2-3 musiciens et puis bon,
et j'ai l'impression que avec bénédiction bon Dieu ça va faire nous 2 ans depuis n'a marché là pas jamais monde qui vient dans des jazz là pour pas faire un compliment m'a dit tout le monde merci tout le monde qui supporte. Pour y gen projet pour nouveau musique. Nous allons faire 2 titres là, mais nous même nous camper son beat live. Son beat live musique nous on là, n'a fait 2 titres inédits. Au point que n'a metté son album et musique pas nous que n'a créé. Et puis n'a joué ancien l'autre musique, yo, musique top vice, au point tout dire même c'est même style top vice ça, on joue tout le monde. Au point ambiance. Qui ça me da du oubi? Qui ça me da du oubi? Ça me da du oubi? Et me da di moun, moun qui pourquoi vini? Pese bouton curiosité yo. Et puis pour yo vin tande. Pese bouton curiosité yo pour yo vin tande. Pour yo vin wa ki sak Freddy Top Vice la. Quand on fait dit top vice là hier qui ça nous gagne dans jacoute nous comprenez et qui ambiance que nous porter le n'a joué c'est ça soit m'demander moun yo m'demander pour venir supporter yo connais moi même le m'a joué m'bay 150% de moi même et m'gay des musiciens très talentueux ce ne sont pas des musiciens qui sont réputés yo pas gagne une grande réputation sur la scène musicale monsieur Mandan yo gagne en pile talent. Ce n'est pas Ronaldo, ce n'est pas Messi, ce n'est pas grand tête. Yo. Monsieur Banda, on va dire, next de Bouvini, où est-ce que c'est bon là? Belle bon. Roupi Culturel TV Show se poursuit sur RP TV, amis téléspectateurs. On t'est rencontré dans ce maintenant avec l'humoriste Gessler Mésidor qui se passe de présentation dans le sud de la Floride, mais que peut-être en pile d'un nom capable de garder pour la première fois. C'est un excellent comédien, un excellent présentateur et Gessler Mésidor pas chômé dans la comédie haïtienne, puisque dans les jours à venir, il sera en Haïti, il va performer dans la réserve dans le pays d'Haïti, et il y a d'autres activités qu'à venir. À nous suivre, les déclarations de Gessler Mésidor à ce micro. Bon, salut tout le monde qui suivre The Whoopi Show sur YouTube. C'est un plaisir pour nous là. D'après le dire à soi, mais je réalise que tu es en matin déjà. Nous sommes dans la casse à champagne, nous devons faire support à Zamino. On confrère comédien M. Aubry Black qui était match au Ben avec Freddy Top Vice à Soya. Donc en pile fois mon demandé non, yo pas tant de bruit non, c'est pas que j'étais pas bouger non, nous bouger. Nous bouger autant en dans États-Unis hein, que nous bouger dans l'autre côté. Koué nous gain pour nous performer en Haïti dans la réserve, c'est pour Gessler Mésidor, une exclusivité dans la réserve à Pétionville le 1er juillet. Donc, si vous avez une diaspora à Kabamba, nous invitez nous. Venez découvrir l'artiste. C'est pour un one-man show. Un show de 1 heure de temps, 15 minutes. Nous allons gagner un pianiste qui pourra jouer avant nous. Et puis après ça, nous allons prendre scène pour nous faire de la pure comédie pour 1 heure de temps, 15 minutes, samedi 1er juillet, dans la réserve en Haïti. Donc, nous demandons tout le monde de débrancher. Et pas oublier tout culture en folie pour les gens qui ont des cultures en folie. Culture en folie là, excepté que avec d'autres activités que moi entreprendre qu'on y a, nous pas qu'à faire culture en folie une fois par mois encore, nous obligé mettre peut-être une fois chaque 3 mois. Et nous peu travaillé sur une très grande affiche pour nous-mêmes, soit en juillet ou bien pour le mois d'août. Cependant, culture en folie là, nous te mettre étonné, il n'est pas mouru. Et moi, t'es sûr, les non-tournés, serviteur Roupi, avec nous, parce que Roupi, son est capable de faire mon grien. Moi, monsieur, fin acheté. Tout sud Floride la boule, si ça va passer, pour les monsieur gagne affiche New York. On prend moins donc monsieur après tout Georgia pour lui, tout New York pour lui. Ou puis, m'de au pied pour pied, m'bap kite ou aller sans moi.
C'est juste la mesure. L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs, et comme annoncé précédemment, week-end ça, c'est l'ouverture de la 23e édition de Livre en folie qui a déroulé dans le pays d'Haïti. C'est un événement de grande envergure qui a couru sous 23e année pratiquement de et formationné. Et bien, amis téléspectateurs, Fondo, que le chef de l'État haïtien a participé pratiquement dans l'ouverture, nous capables de dire, de ce grand événement littéraire en Haïti. Il y a une pile mobilisation qui a fait, il y a des milliers de livres qui sont disponibles, il y a des centaines d'auteurs qui paraissent puis au capable de signer un livre. Vraiment un mouvement extraordinaire en Haïti depuis tantôt 23 ans. Un reportage complet explique davantage la 23e édition de Livre en folie à Port-au-Prince. La plus grande manifestation littéraire d'Haïti, Livre en folie, dérapé week-end ça. Odette Roy-Fonbrun et Mackenzie Orcel sont les deux invités d'honneur de cette 23e édition. En tout, 145 auteurs et 2369 titres sont disponibles. Cette année, le positionnement des auteurs se fera par ordre alphabétique. Tout le monde sera sur le pied d'égalité, que l'auteur soit connu ou il participe pour la première fois, c'est ça que assurait Max Chauvet, l'un des organisateurs. Côté sécurité, toutes les dispositions ont été prises. Il y a des rencontres très importantes avec les services de sécurité concernés, Palais National, la mairie de Port-au-Prince, la police nationale d'Haïti. On a signalé que l'avenue de la Liberté qui passait devant le Mupana pral fermé et autorisé seulement aux organisateurs et auteurs. Le prolongement de la rue Oswald-Durand sera fermé jusqu'à la rue Saint-Honoré. Tout le reste du champ de Mars sera sécurisé et disponible pour garer des véhicules des visiteurs, selon ce que fait connaître les organisateurs. À Nessa, la foire est offerte sur trois formats. Premièrement, le format Internet. Moun ki pa ka déplacé, moun ka vive à l'étranger, moun ki nan diaspora, capable visiter le site internet livreenfolie.com ou bien unibankhaiti.com pour obtenir toute information disponible sur Livre en folie, y inclut acheter des livres en ligne. Deuxièmement, pendant le week-end Livre en folie, 14 villes provinces, y inclut Lagonave, capable participer indirectement à Livre en folie. Troisièmement, moun qui capable de déplacer, bien entendu, aller dans les jardins du Mupana, ap capable rencontrer les auteurs, mettre main physiquement sur les livres qui sont disponibles, et moun qui gagne la Unicard, capable acheter des livres à 50% de rabais. Moun qui handicapé, gagne de l'heure bien précis qui est disponible, puis au fait achat de livio, selon toute information. N'a signalé que, parallèlement à cette activité, il y a un programme dans Port-au-Prince pendant deux jours qui portait nom Port-au-Prince, la capitale du livre, qui consiste à abandonner sur un banc public, à la banque, dans un supermarché ou bien n'importe côté d'un pays, il y a un livre pour permettre que n'importe monde mette main sous lit et capable de faire une lecture. 48 heures de temps avant le coup d'envoi de Livre en folie, le président haïtien Jovenel Moïse a offert un déjeuner en l'honneur des écrivains, éditeurs, acteurs de la chaîne du livre et organisateurs de cette grande foire du livre en Haïti. Dans l'occasion, ça, chef l'État, les saluer les éminents écrivains haïtiens d'hier et d'aujourd'hui. Parmi eux, Léon Lalo, Frédéric Marcelin, Émile Roumer, Jacques-Stéphane Alexis, Alain Tournier, Franck Fouché, Félix Morisseau Leroy. Également, des mondes qui là présents jeunes aujourd'hui en tant que Daniela Ferrière, Gary Victor, Edwidge Dantica, Mackenzie Orcel, Odette Roy-Fonbrun, Kate Limars, Yannick Laens, Jean-Claude Fignolet, Lionel Trouillot, Franck Etienne, pour ne citer que cela. Le président haïtien a également rendu un hommage bien mérité à Dieudonné Fardin des éditions Fardin, monument vivant des lettres haïtiennes. Nous saluons également tous les éditeurs, tous les imprimeurs, tous les libraires qui assurent la liaison entre les auteurs et les lecteurs, a déclaré en substance le chef de l'État haïtien. N'a pas rappelé que la 23e édition de Livre en folie est l'œuvre dans le pays d'Haïti du journal Le Nouvelliste qui créait Mouvement Sahara avec l'engagement de la Unibank, de la Société du Rome Barbancourt et d'autres instances importantes dans le pays d'Haïti. La 23e édition de Livre en folie
est sur les rails et ceci fait la joie de nombreuses personnes qui s'adonnent à la lecture. YLS Multi Services, qui dans 11810 Northwest 10e Avenue dans Miami, faut songer que c'est MTCN en transfert l'argent, income tax à minutes sous téléphone. Dès pour faire sa rentrée dans YLS Multi Services, accueil chaleureux, service courtois, rapide et bon marché. Sous place, cam transfert avec Unitransfer. Bill Payment Center pour toute cell phone, minutes sous téléphone cellulaire pour Haïti à l'autre côté. Fax, notaire public, income tax, traduction de documents, consultation pour immigration et vente de CD et DVD à votre portée dans YLS. Multi Services, ouvert du lundi au vendredi de 9h du matin à 7h du soir et le samedi de 9h du matin à 6h du soir. YLS Multi Services, Chitana 11810 Northwest 10e Avenue, en plein cœur de la communauté haïtienne de Miami. Ou même qui dans Pengu Pines, Miramar, North Miami et les environs, YLS Multi Services, dans 119 là, qu'on a 10e Avenue, dans Shopping Center. Téléphone 305-685-4913. 305-685-4913. Wireless Multi Services Number One. Non bah et bonjour, doit dépenser l'argent. Rupi Production Television, RPTV, est un channel spécialisé en information et promotion avec des émissions programmées tous les jours de la semaine. Chaque lundi soir, 10h, Opinion Power avec Carmel sur un sujet d'actualité. Chaque mardi soir, 10h, Opinion Pam ak non Pam Seroupi, l'éditorial de la télévision. Tous les mercredis soirs, 10h, série de vidéos documentaires à caractère social, réalité quotidienne vécue en Haïti avec Roach Lee, le correspondant de RPTV en Haïti. Chaque jeudi soir, 10h, promotion totale, le marketing de votre entreprise commerciale et de vos soirées culturelles en toute exclusivité. Tous les vendredis soirs, 10h, les grands dossiers politiques d'Haïti avec objectivité. Chaque samedi, 6h du soir, le magazine de l'actualité culturelle en Haïti et en diaspora à Rupi Culturel TV Show. Tous les dimanches soirs, 6h, moments spirituels, activités des artistes évangéliques et gloire à Dieu. RPTV, Rupi Production Television, une programmation dynamique pour une audience toujours branchée. À l'occasion de la fête des pères, Double L Productions invite au Nayon Black Tie Affair avec trois grands talents de la musique haïtienne. Samedi 24 juin 2017, de 8h du soir à 2h du matin, au Indian Spring Country Club, qui dans 11501 Elkley Ranch Road, qui dans Boynton Beach, Florida, la fête sera belle. Avec le chanteur-guitariste Ralph Condé et son groupe. Robert Charlot de Top Vice et New Vice et son équipe. Et DJ Nicky Mix pour les meilleurs mix de la soirée. De 8h du soir à 2h du matin, venez bien fêter samedi 24 juin 2017 dans Indian Spring Country Club, qui est à 11501 Elkley Ranch Road, Boynton Beach, Florida. Mesdames, c'est tout pas nous pour nous mener papa yo à le fêter. Admission $75 par personne. Cocktail hour, cash bar, dîner complet. De nuit de gala obligatoire, black tie is a must. Free valet parking for all. Ticket en vente à l'avance seulement au 561-758-0999-954-531-5576. Happy Father's Days from Double L Productions. Thank you.
Cette année ramène les 50 ans du groupe Les Fantaisistes de Carrefour. Pour couronner ces 50 ans en grande pompe, l'association carrefouroise lance une tournée avec les membres de l'original Les Fantaisistes qui débutera à New York le samedi 24 juin 2017. Yves Mardis, Rico Mazzare, Carmen Bichon, Weber Toussaint, Carlos Souvillon, Mama Charles, Eddie Charles, Benet, Inemou et compagnie reviennent sur le devant de la scène avec Les Fantaisistes de Carrefour dans un gala de haut rang à Long Island Marriott Hotel le samedi 24 juin. Invité spécial, New Look. Allons profiter de cette soirée fantastique avec les vrais fantaisistes pour témoigner de notre gratitude envers eux pour toutes ces années de bonne musique. Cocktail hour à partir de 8h, remise de trophées, dîner, mini-show de Yves Mardis en solo et performance magistrale de Les Fantaisistes de Carrefour en tandem avec New Look. MC, Rupee the Entertainer. Frais d'admission, $125 avant le 30 mai ou $150 après. Infoline, 917-306-0211 ou 718-506-5619. Gala patronné par Dr. Dalmassi, avocat Max L. Jean-Louis et Haïti Première Classe. Si vous cherchez un maître de cérémonie sérieux et comique, professionnel et abordable, ou tout joindre Jude de Rosserie, Rupee the Entertainer. Pour mariage, fundraising, banquet, soirée culturelle, spectacle artistique ou autre événement privé ou public, sociopolitique ou autre, contactez le maître de cérémonie Jude de Rosserie, Rupee the Entertainer, au 973-517-6308. Prix abordable, plus de 30 ans d'expérience, tout paraît pour gérer. Amis téléspectateurs, nous revenons en bout émission Rupee Culturel TV Show pour journée aujourd'hui. On a remercié nous toutes et nous chaque qui te prend le moment pour nous être capable tendre et garder émission ça. On a remercié particulièrement collaboratrice nous Carmel, la caméra au féminin qui est toujours là pour l'assurer que les images sont bien réalisées. Et puis on a remercié également tout sponsor et que nous gagnons qui patronnait émission ça. On a remercié collaboration que nous gagnons en Haïti de notre correspondant sur place Rochely Desgranges et puis tout le monde qui d'une façon ou d'une autre contribuait pratiquement à l'évolution de RPTV et particulièrement de Rupee Culturel TV Show. Ou même qui est intéressé fait publicité avec nous, ou même qui c'est artiste haïtien, ou même qui c'est producteur dans communauté hein, li met c'est in state dans Florida ou bien out of state, n'importe côté aux États-Unis et même dans pays d'Haïti ou autre coin du monde, nous capable promouvoir activité yo, et c'est sûr et certain qu'il y a monde qui vient là-dedans qui profiter de yo. Numéro de téléphone pour contacter nous directement dans cell phone nous, c'est 973-517-6308 ou bien si vous voulez le numéro de téléphone télévision 24 sur 24, c'est le 954-729-2214. C'est ton plaisir, amis téléspectateurs, à samedi prochain pour une nouvelle édition de Rupee Culturel TV Show. Ici Jude de Ronceret, non pas M. Rupee, à la prochaine.